émergence, émergence, Soyez le bienvenu au journal d'émergence d'Abidjan.net. Ce que nous allons dire, si ça ne plaît pas à quelqu'un, il peut faire le 01 08 02 31. J'aimerais dire quelque chose à Sam Etiassé. Un frère, on se connaît, tu es un ami à moi. Je voulais te dire, cette affaire de FIFA, là, il faut calmer dedans. Il faut calmer dedans. La FIFA est venue, il ne faut pas t'interposer dans quoi que ce soit. La vie, à un moment donné, il faut savoir arrêter. Parce que si tu continues, on va trouver que c'est toi qui es au milieu de cette affaire qui veut tout gâter. Où est ton problème dedans? La FIFA, là, c'est pour la Côte d'Ivoire. La FIFA est attachée, à la FIFA. Ils prennent leurs mesures, ils viennent appliquer avec Mme Gabala, mais il n'y a pas de problème. Toi, il faut observer seulement. Arrêtez de porter plainte tout et tout parce qu'on ne pourra rien faire pour porter entrave à la décision de la FIFA. Ce n'est pas normal. Émergence, Il y a Kolo Touré qui vient d'avoir son diplôme d'entraîneur international. Kolo, c'est très bien. Mais ce que je te conseille, il faut rester chez les Blancs là-bas, pas venir ici en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est un pays, on gâte nos déjà. Hein? On gâte nos déjà. Ça, je vous dis sincèrement. Voilà Drouba qui est là-bas, qui est venu ici. Atema, il ne sait même pas comment ça se passe ici. Son nom, c'est Gat. Ouattara, qui a travaillé à la BAC Moudra, il est venu ici. Là. Son nom, c'est Gat. Si toi, tu veux rester ici, quitter là-bas, venir entraîner ici, ton nom va se gâter. Quand on parle des sorciers dans le monde là, c'est en Côte d'Ivoire, ils sont nés. C'est en Côte d'Ivoire, tu vois, où celui qui a CP est plus fort, c'est-à-dire on dit qu'il est meilleur que celui qui a licence. C'est un pays qu'on a fait très très attention. Émergence, Et puis, monsieur le président, toi aussi, il faut que je te parle. Je te remercie beaucoup d'avoir pris cette décision sur le Covid-19 pour dire que oui, tu as pris des mesures, pour dire bon, on va faire, c'est-à-dire déporter les cachets, respecter les mesures de distanciation, ne pas se saluer, se laver les mains, toujours. Ça, c'est une très bonne chose. C'est la meilleure décision que tu as prise, ça je vais te dire. Parce qu'avant ça, on dit ton ministre là, il a pris des mesures qu'il a envoyées à la table, c'est-à-dire de ne pas aller à l'école, on va faire couvre-feu, on va interdire des tas. S'il avait dit ça, monsieur le président, je vous jure d'abord un. Les Ivoiriens que vous voyez là, d'abord, ils ne sont pas du tout contents. Covid les a énervés avant les élections. Les élections présidentielles les énervent. Et après, tu as envoyé Covid. Non, non, si tu avais envoyé Covid là, ils vont prendre la colère des troisième mandat là. Ils vont finir ça avec la Covid. Pas, ils les connaissent. Ils vont dire que c'est troisième mandat, c'est Covid qui les fait énerver. Oh, c'est troisième mandat là, c'est ta colère, ils vont prendre pour venir sur toi dans Covid. Heureusement, quand tu as conseillé, tu n'as pas pris ce genre de mesures, de mettre au coup-feu, de fermer tout, tu as pris cette mesure-là, qui est très simple, c'est très bien, parce que les Ivoiriens sont fatigués. Ils ont déjà subi une économie, l'économie est partie à l'impôt pendant le Covid, et chaque fois qu'on arrive à des élections, quand le parti au pouvoir veut, le Covid n'est plus dangereux. Quand ils ne veulent pas, c'est dangereux. Non, non, non. Parce qu'ils n'ont pas d'argent. Ils ne peuvent plus accepter encore des confinements, ils ne peuvent pas accepter des coups-feu, ils ne peuvent pas accepter encore l'économie qui est bloquée comme ça. Non seulement on ne leur donne rien, et on dit de pas, ils vont travailler. Ça, ça ne peut pas aller. Il faut dire à ton ministre Akaori, le jour prend ce genre de décision, pour lui de les donner là, il faut dire bon, prends mon numéro, monsieur le président. Je suis au 01 08 02 31. Remets ça à Akaori. Il n'a qu'à m'appeler qu'il prend ses mesures de distanciation, interdiction de se réunir, couvre-feu, confinement, et qu'on doit se fermer là. Quand il prend ces mesures-là, il n'a qu'à m'appeler, on met un podium à Yopougon. Il va venir, il va les lire d'abord à Yopougon. S'il finit de les lire, qu'il vient chez toi au bureau, et que tu vois qu'il est en bonne santé, il n'y a pas d'esparadrap sur sa figure, là il te donne, il va lire ça. Là, vous pouvez lire ça à la télévision, mais prendre des mesures comme ça, les lire, sans tenir compte des gens qui sont dans la commune, comme Yopougon, Abobo, Agame, Koumassi. Non, hein? Il faut dire que vous devez faire d'ici, si tu prends des mesures, il faut aller lire ça à Koumassi, à Yopougon, Abobo, dans le public. Si tu lis ça, que tu n'as pas eu blessé, on ne t'a pas frappé, c'est que mesure ça peut passer. On peut lire ça à la télévision. À bon entendeur, à la prochaine. Emergence, doyo, emergence, doyo, emergence, doyo, doyo.